porté celui qui porte tout. Notre Sauveur, ton Saint, prêcheur, porte de seule reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout. Notre Sauveur, ton Saint, prie cher, porte du ciel et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Ô Marie, nous te saluons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon Père. Ô Marie, nous te saluons. Nous venons saluer notre maman. Nous venons l'honorer, la vénérer. Nous venons lui dire notre amour, notre affection. Nous venons lui demander d'intercéder en notre faveur. Au début de cette célébration eucharistique, frères et sœurs bien-aimés, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie à tout ce qui tire mon adoyo, nous bénions petit, avec l'autre pour nous bien protéger. Chaque fois nous désobéir, l'ambition nous détruit création. Chaque fois nous s'aimer nos morts, nos péchés royaume ont arrivé. Christe, Christe est le Éternel et tout-puissant,
Tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image du Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera et Dieu rendra la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché. Mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons, l'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 149 en répétant: Le Seigneur est l'ami de son peuple. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Ensemble. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithares. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Ensemble. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Ensemble. Le Seigneur est l'ami de son peuple. Chantons l'acclamation. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, enlisez-lui avec des chants de joie, à l'éternel et son amour. Alléluia. Dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Sur les habitants du pays de la mort, la lumière a resplendi. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean chapitre 3, du verset 22 au verset 30. Jésus se rendit en Judée, accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean de son côté baptisait à Aïmon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, les disciples de Jean s'était mis à discuter avec un juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé avant lui. L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ma joie et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia. Il est bon de chanter pour le Seigneur. Il est bon, il est agréable de le louer. Lui qui est là, qui est avec nous, qui prend soin de nous, lui qui ne cesse de nous combler de ses grâces, de ses bénédictions. Lui qui entend nos prières, qui exauce nos prières. C'est ça. Nous joignons notre première parole, première lecture. Ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous est écoute. Leur parler avec mon Dieu, leur la prière, mon Dieu pas fait mes oreilles. Mon Dieu pas sourd à cri nous, à demande nous yo, à prier nous yo. Mais mon Dieu tendez, l'écoutez. Ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute. Ou même qu'après la prière, priez avec
confiance, prier avec conviction, prier avec persévérance, parce qu'on croit bon Dieu, l'attendez-vous, bon Dieu, l'écoutez-vous. C'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande. C'est pas n'importe quoi. Demande, non, bon Dieu, écoutez. Seulement de bon Dieu en bagaille, il n'est pas bon pour vous, pas baou, non? Mais bon Dieu, baou, ça qui est bon pour vous. Même là, vous êtes capable de petit tout monde en bagaille, ou est qui pas bon pour lui, ou pas balil. Ce gros petit monde de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou un couteau dans la main, si mon amant de couteau en balil, ou pas balil. C'est parce qu'on ne remet pas si mon amant. Ou pas balil parce qu'on ou remet, ou qu'on est sous balil, l'a fait. Il a fait mal avec lui, il est capable de blesser tête. Demande ça que si mon amant fait au lent, il n'est pas bon pour lui. C'est comme ça que nous sommes capables de demander bon Dieu en bagaille. Bon Dieu dans la providence, il voit que ça que nous demandons là n'est pas bon pour nous. Ou bien ce n'est pas encore le moment pour lui ban nous. Il n'est pas bon nous. Dans le moment que nous demandons là. Mais ça n'est pas privé, le moment qui est privé. Bon Dieu, ouais, le moment ça, c'est le moment idéal là. C'est le moment favorable là. Pour ça nous demandons là. Il accorde nous là. Bon Dieu gain. Façon pas li agit. Chemin bon Dieu pas toujours chemin pas nous. Nous pas toujours comprendre plan bon Dieu, projet bon Dieu, dessein bon Dieu. Et nous besoin pour nous faire nous tout petit pour nous capable entrer dans plan bon Dieu, dans projet bon Dieu, dans dessein bon Dieu. Pour nous épouser volonté bon Dieu. Pour que ce n'est pas volonté, pas nous, pour qu'il fête, mais pour que c'est volonté bon Dieu qui fête dans toute bagaille, dans toutes circonstances. Dieu exauce nos demandes, nos prières, quand nos demandes, quand nos prières sont conformes à sa volonté. Et c'est Jean dans la première lecture, il continue pour dire nous, et puisque nous connaissons que bon Dieu écoute nous, puisque nous savons que Dieu écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons, nous savons aussi, c'est ça la foi, oui, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui demandons. Jésus dit nous, le nous prier, nous mettre quoi que ça nous demander dans la foi, depuis que l'y conforme avec volonté bon Dieu, nous mettre quoi que nous abjoignons. Parole bon Dieu dans la première lecture, il demande nous pour nous la prier avec confiance, avec la foi. Il demande nous tout pour nous prier pour les pécheurs. C'est ça depuis quelque temps que nous avons fait. 7 jours de prière, nous gagnons dans l'église, dans notre paroisse là. Nous avons demandé, bon Dieu, pardon. Pardon pour péché pas nous. Et pardon pour péché frère, actionnons. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, est-ce que nous avons prêté indifférent, les nous frères nous font péché? Nous avons fermé les yeux, nous? Qui ça nous doit faire? Qui ça nous doit faire, l'homme, dans le péché? Qui ça nous doit faire? Nous devons prier pour nous. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera. Prier pour péché, yo. Son devoir. Que nous gagnons. C'est obligation que nous gagnons pour nous prier pour pécheurs. Pour nous prier pour les gens qui ont fait ça qui mal, pour être capables de convertir. Et pour nous prier peut-être nous tous, pour que nous soyons capables de convertir.
quitter péché et prend chemin bon Dieu. Parce que péché a les blessé bon Dieu. Péché a lui fait bon Dieu mal. Et péché en tout, lui fait frère à ce nous souffrir. On est péché, on les définit comme une offense. Offense à Dieu. Offense à lui capable par la parole, lui capable par pensée, lui capable par action, lui capable tout par omission. Donc, il y a différentes façons capables de pécher. Dans ça qu'on a dit, c'est peut-être ça que nous devons éviter de dire n'importe qui parole. Des paroles blessantes, paroles méchantes, paroles négatives. Nous devons éviter. Nous sommes capables de pécher par parole, nous, par pensée. Nous. Éviter de nourrir de mauvaises pensées. Il faut que nourrir de bonnes pensées. Nous péchons tout par action. Le poser un acte qui n'est pas bon. Nous péchons tout par omission, ça veut dire yon bien que vous devez faire ou pas faire. Yon devoir ou te devez accomplir ou pas accomplir. Donc, vous péchez par omission. Péché, c'est un manquement lié, manquement à l'amour véritable. Manquement à l'amour véritable, amour véritable envers Dieu et envers le prochain, envers les autres, envers nos frères, envers nos sœurs. Et nous devons toujours faire effort, frère Maxime, pour nous combattre le péché. Combattre le péché qui est capable de nous, qui est autour de nous. Combattre le péché. Nous ne devons pas prendre plaisir dans le péché. Nous ne devons pas prendre plaisir dans le mal. Mais nous devons divorcer à mal, divorcer à péché. Pour nous capables de prendre le chemin, bon Dieu. Et Jésus dit nous prier. Saint Jean, dans la première lecture, il m'a dit pour nous prier. Prier pour les pécheurs. Prier pour nous-mêmes. Et si ça arrive, nous tomber dans le péché, qu'on est que bon Dieu. Il ouvre bras. Bras, bon Dieu, l'ouvre. L'attend nous. Pour lui capable d'accueillir nous. L'attend nous pour lui capable de pardonner nous. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais Dieu veut que le pécheur se convertissent. Bon Dieu voulait pour pécher, pour changer qu'elle, pour changer la ville, pour lui capable d'accueillir la grâce, mon Dieu, pour lui capable d'accueillir l'amour de Dieu, pour lui capable de prendre résolution, marcher dans le chemin. Mon Dieu, c'est ça, mon Dieu voulait pour nous. Et c'est pour ça, Jésus est venu. Il est venu pour sauver nous. Il est venu pour bannir nous la vie. Et c'est pour ça tout, Jean-Baptiste, il a rempli mission, il a baptisé. Jean, nous jouons ça dans l'évangile, Jean t'a baptisé. Et baptême Jean, c'était un baptême de conversion qui préparait Mounio pour accueillir Jésus. Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et nous voyons dans l'évangile là, Jean t'a baptisé, Jésus t'a baptisé. Les disciples Jean, ils ont étonné. Et Jean, il t'a gagné l'humilité pour que les faits disciples comprennent que ce n'est pas lui-même qui est Messie.
C'est pas lui-même qui sauve. Mission, c'est préparer route. Il est le précurseur. C'est préparer route. C'est préparer chemin. Mission, c'est conduire Mounio à Jésus. Jean t'ai témoigné de Jésus par toute sa vie. Nous avons surtout, tout coup, Jean-Baptiste, gagner humilité pour que nous gagnions conscience de ça que nous y est, de mission que nous gagnons, de mission que mon Dieu confie nous. Et pour que nous pas remplir mission ça, pendant que nous avons vanté tête nous, pendant que nous avons mis tête nous sur un piédestal, mais pour nous remplir mission nous avec humilité, pendant que nous avons quitté, c'est l'Esprit Saint qui conduit nous. C'est l'Esprit Saint qui dirige nous. C'est l'Esprit Saint qui anime nous. Non seulement nous avons besoin de l'Esprit Saint, ben nous humilité pour nous capables de remplir mission nous, mais nous avons besoin tout pour l'Esprit Saint guider nous. Pour que dans mission nous, nous ne tournions pas une pierre d'achoppement. Nous pas tourner un obstacle, nous pas tourner un contre-témoignage pour l'autre, mais pour que nous toujours gagnions souci, nous toujours gagnions désir pour nous mener l'autre à joindre Jésus. Mener tout le monde by Jésus, porter yo by Jésus, témoigner de Jésus. C'est ça que Jean t'a fait. Et vie nous comme chrétiens, comme baptisés, lui doit un témoignage. Témoigner de remède, bon Dieu. Témoigner de grandeur, bon Dieu. Témoigner de miséricorde, bon Dieu. Témoigner de bienveillance, bon Dieu. Témoigner que dans ça que nous avons vivre, là, nous pas pour compte nous. Mais bon Dieu, il est là. Il est avec nous. Il accompagne nous. Et puisque il est là, il est avec nous, nous avons assurance, nous avons conviction. Un jour, nous gagnons pour nous sortir dans la situation que nous y est. Nous connaissons un jour, puisque bon Dieu est avec nous, nous connaissons un jour, pays nous pour le changer. Et puisque bon Dieu est avec nous, nous connaissons que prière que nous avons adressé par bon Dieu. Yo. Bon Dieu, il a exaucé prière nous, il a coûté prière nous, et il a comblé nous avec grâce, il a comblé nous avec bénédiction. Jean était dit dans l'évangile, c'est ma joie, et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse, et que moi, je diminue. Un bon Dieu, donne-nous la grâce pour lui capable grandir dans la vie nous, pour lui vivre dans nous, pour lui demeurer dans nous et pour lui donne-nous la grâce pour nous vivre avec lui, pour nous demeurer dans lui, je dis et chaque jour dans la vie nous. Amen. Offre de paix, Jésus.
confiance. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Socalite, je t'en aussi dans goutte d'eau. Seigneur, que des noms sacrifices deviennent alors un peu joyeux. Jésus, me voici devant toi. Simplement dans le silence, rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier, que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté de notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Benedictus qui veni, Benedictus qui veni, in nomine Domini, in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. » Rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur est notre Dieu. Le Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière. Auprès de toi. Sur nos taux sans fin, Seigneur, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur les personnes qui ont recommandé cette messe. Nous implorons ta grâce sur tes enfants qui célèbrent leur anniversaire. Nous implorons ta bonté sur tous ceux, toutes celles qui se recommandent à nos prières, nos parents, nos amis, les bienfaiteurs, les bienfaitrices, les malades, les chrétiens persécutés, les personnes en difficulté. Nous implorons ta grâce, ta bénédiction sur tous ceux qui s'enlisent dans le mal, dans le péché. Nous te prions pour tous les pécheurs, pour leur conversion. Pour notre conversion, nous implorons ta grâce
sur le peuple haïtien, sur notre pays, sur les personnes qui participent à cette célébration à travers la radio, la télévision, les réseaux sociaux, et sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce et du Perpétuel Secours, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Crois le sang du Christ. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout
et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Amen. Thank you.
Seigneur, ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire
dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Parole bon Dieu, dans la première lecture, mandez-nous pour nous la prier. Priez pour nous demander pardon, pour pécher nous. Et priez pour tout le monde qui a fait ça qui mal. À nous continuer unis, voix nous, pour nous faire prier nous et monter pour notre bon Dieu. À nous chanter ensemble. Pitié pour moi, mon Dieu, de mettre moi, j'avoue ceci, efface péché. Pitié les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Ensemble, bon Dieu, Papa, ou tellement remets nous, vous voyez Jésus petit tout sous terre pour le sauver nous et puis délivrer nous en bas tout ça qui mal. Malgré tout sacrifice fait pour nous, nous continuons à baigner dans la boue péché. Péché a fini de défigurer nous, lui sale nous, lui mette nous dos à dos avec nous, lui fait nous perdre amitié avec la grâce. N'a demandé au tant prie, gagne pitié pour nous. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. En ta tendresse, efface mon péché, lave-moi de toute malice et de mes fautes, Seigneur, purifie-moi. Pitié, Seigneur, car nous
avons péché. Bon Dieu, grand maître, pendant nous demandé au pardon pour péché nous, nous demandé au pardon tout pour péché frère accès nous. Dans cœur sensible, ou pas voulez pour péché yo mourir, mais ou voulez pour yo convertir, pour yo changer cœur yo et puis pour yo vivre. T'en prie, gagne pitié pour tout le monde qui a fait mal dans le pays. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Ô 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 Christ, prends pitié. Pitié, Seigneur, prends pitié. 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 Bon Dieu, grand maître, fais lumière là, éclairer dans la vie tout le monde qui vit dans fait noir péché. Baillez la grâce, découvrir un mais on l'a qui plus fort par ses péchés. Baillez la grâce pour y arriver comprendre ou pas créer pour y faire mal. Mais pour y faire bien. Bon Dieu, grand maître, donne nous courage pour nous quitter chemin mal là, pour nous prendre chemin bien, chemin conversion, chemin réconciliation, pour nous arriver remettre frère accès nous yo, et puis remettre pays nous. Bon Dieu, grand maître, t'en prie, s'il te plaît. Délivrez-nous. Délivrez-nous, grand maître. Moi, sentiment d'ailleurs. Pour arriver juste encore, ma beauté, mon amour. Et que je côté. Bon Dieu, grand maître, t'en prie, s'il te plaît, délivrez Haïti. Bon Dieu, grand maître, t'en prie, s'il te plaît, délivrez Haïti. Bon Dieu, grand maître, t'en prie, s'il te plaît, délivrez Haïti. Père éternel, je vous offre toutes les plaies de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, les souffrances et les agonies de son très saint cœur et le très précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies, en réparation de mes péchés, des péchés du peuple haïtien et de ceux du monde entier.
Père éternel, je vous offre toutes les plaies de votre Fils bien-aimé Jésus-Christ, les souffrances et les agonies de son très saint cœur et le très précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies en réparation de mes péchés, des péchés du peuple haïtien et de ceux du monde entier. Père éternel, je vous offre toutes les plaies de votre Fils bien-aimé, Jésus-Christ, les souffrances et les agonies de son très saint cœur et le très précieux sang qui a jailli de toutes ses plaies en réparation de mes péchés, des péchés du peuple haïtien et de ceux du monde entier. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Notre-Dame du Perpétuel, secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer. Bénissez les enfants. Saint-Michel, Archange. Défendez-nous dans le combat. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Tous les anges et tous les saints du ciel, intercédez pour nous. Sang précieux de Jésus, tombez sur nous en puissance. Sang précieux de Jésus, tombez sur nous en puissance. Sang précieux de Jésus, tombez sur Haïti en puissance. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Que l'âme de Sœur Claire Gagné et que les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. 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 Merci à nous toutes. Merci à animateurs, animatrices, musiciens, servants d'hôtel, les ministres extraordinaires de la Sainte Communion, nos religieuses, techniciens, caméramen. Merci à nous toutes qui vivent la Messe-là à travers radio, télévision, réseaux sociaux. Merci à nous toutes qui là, qui présentent l'Église-là. Nous prenons un petit temps pour nous adorer Jésus. Et pendant la journée, comme c'est samedi, nous connaissons une journée de prière, une journée de louange. Nous avons une messe encore à midi. Et après-midi, à 4 heures, nous avons une messe dans la chapelle Padre Pio. Demain, dimanche, c'est le baptême du Seigneur. Messe 6 heures, 8 heures, 9h30 et 4 heures. Nous, à 4 jours de l'ouverture de la grande neuvaine préparatoire à la fête de notre maman, de notre patronne, de maman la grâce là, Notre-Dame d'Altagrâce. Je dis à ces 8 et neuvaine non, c'est 12. Donc c'est 4 jours. Dans 4 jours, nous prenons l'entrée dans un temps fort, dans un temps de prière intense. Et c'est peut-être ça pour nous capables de mieux préparer nous pour nous recevoir grâce, mon Dieu. Nous faisons 7 jours de prière pour te demander pardon. Pardon pour pécher nous. Pardon pour pécher peuple haïtien. Pardon pour pécher tout le monde. Donc, nous continuons à demander, mon Dieu, pardon. Nous continuons à préparer que nous pour nous capables à vivre tant de grâce. Et pendant 9 ans, on a gagné 4 messes chaque jour pendant 9 ans. On a gagné 4 célébrations. On a gagné messe à 6 heures dans le matin. On a gagné messe à 8h30. On a gagné messe à midi.
Il n'a bien messe à 4 heures. Mais messe 4 heures là, toute messe a précédé par un temps de prière. Donc avant toute messe, il a bien un temps de prière. Avant messe 6 heures là dans le matin, il a bien un temps de prière. Avant messe midi 8 heures, 30 temps de prière. Avant messe midi, temps de prière. Et depuis à 2 heures chaque jour, il a bien une récitation du rosaire, il a bien une divine miséricorde, il a bien une louange mariale, et puis 4 heures. N'a gagné messe de la neuvaine. Et nous-mêmes qui besoin un service pendant neuvaine, qui besoin et recommander messe, chapelet et cierge, etc., quitte Altagrâce, pas tant de dernier moment pour nous faire ça et pour nous éviter embouteillage. Puis écoute, prends devant, puis bonnet, c'est grand matin. Donc, nous voyons que préparatif pour fête a continué. Donc, nous disons tout le monde merci qui pote collé, qui baille conseil, qui baille idée, qui baille contribution. Yo. Et nous connaissons fête Altagrâce, son gros morceau, lui occasionner en pile dépense. Donc, c'est nous compter encore une fois sous prière nous, sous collaboration nous, sous contribution nous, et pour que nous venons, les capables bien dérouler. Pour que nous soyons capables d'organiser une belle fête pour maman nous. Donc, n'a fait que maman nous content, et puis maman nous a fait nous joindre en pile grâce, en pile bénédiction. N'a continué, frère Maxime, rappelez-nous que port du masque obligatoire, moi, il y a un relâchement, il y a un monde qui n'a pas gagné masque, yo, ou bien qui n'a pas poté, qui n'a pas. Gardez, il faut garder votre masque. Comme moi-même, m'a parlé, ça m'a demandé un pile énergie, besoin que pour moi respirer plus, donc m'obliger font retirer masque. Mais nous-mêmes, dans l'assemblée, faut nous garder cache nous, faut nous garder masque nous. Tant pis, s'il vous plaît, et songez toujours fini avec masque nous et puis pas retirer. Gardez masque nous, l'église là pour nous protéger tête nous, pour nous protéger frère axe nous. Donc j'en nous apprendre ça nous depuis hier nous t'étant des nouvelles là ce nous Claire Gagné qui était rend en pile service à peuple haïtien hein, à l'église là à pays hein, et ce nous les retourner à joindre bon Dieu papa les retourner bon Dieu sa culture mais bon Dieu sa culture servi li aller li retourner à joindre bon Dieu donc quoi que n'amni a proposé en paix li a dans bras bon Dieu et n'a demandé non pour nos grandes intentions spéciales de prière pour le repos de son âme et n'a pas prié pour tout proche li et pour mouvement charismatique là et pour tout collaborateur collaboratrice li pour que yo continuer avec même élan, avec même dynamisme, même dévouement, même faire violent pour que yo kembe mouvement, pour continuer aider peuple bon Dieu, vive la foi yo. Merci encore une fois à nous toutes, joyeux anniversaire, à tout le monde qui a célébré anniversaire yo, à Emma Séverin, Augustin, à Julienne Télima, à Carl Michel Philogène, à Marie-Carole Mathurin Boutès, à Marie de Grâce Cadet, joyeux anniversaire au révérend père Elder Breville, joyeux anniversaire à Marie Ersuli Valérie, à Viliane Charmant Laurent, à Emma Pierre, à Isabelle Héroana Hibert, à Roselaine Lalanne, joyeux anniversaire à tout l'autre monde qui a célébré que m'pagain noyo avec moi. Nous demandons bon Dieu pour bénir nous toutes, pour combler nous à grâce. Joyeux anniversaire à nous toutes et animateurs, animatrices, musiciens, notre maestro David a chanté, a joué pour nous, pour dire nous bonne fête. Joyeux anniversaire, joyeux
Soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Papa ici.